Bonjour. Comment allez-vous? Alors attendez, le son c'est bon là? Oui, ça devrait être bon. C'est un peu un poil petit fort. Mais ça va. Comme ça c'est mieux. Bonjour Striga. J'espère que tu vas bien. Hop. De la batterie, mais c'est pas grave. Comment allez-vous? Moi, je suis un peu fatigué. Je suis actuellement fatigué. Mais il paraît qu'on a quelque chose à faire. Longtemps qu'on n'a pas vu le générique. Dans les épisodes précédents de Baldur's Gate. Ça, c'est un opening qui ne nous prête pas du tout à ce qui va vraiment arriver. Toute cette recherche de cordonnier, toute cette recherche et cette balade dans les forêts, nous n'étions pas du tout en plein milieu de la ville. Ce n'était pas la porte de Baldur, comme les Parisiens pourraient en parler. Ce n'était pas à côté d'un petit café où tout le monde était assis à 15 h. Une tâche facile. Et non, on se balade dans la pampa. Mais le jeu est pas fini, comment t'as trouvé tes bottes? Alors les bottes, comment j'ai Ah, je trouvé les vais bottes? C'est une bonne bientôt avoir question. besoin de Le jeu est repos. fini, c'est la fin du jeu. C'est juste qu'on n'a pas le niveau pour taper le boss. Donc, on a des bottes, on n'a pas de bottes pour Dorn, on a des bottes. On a des bottes, on a des bottes, on a des bottes. Incroyable, il nous manque juste Dorn. Incroyable. Pas de chaussures pour Dorn. Le jeu est fini, hein. C'est juste qu'on n'a pas vraiment pas le niveau. Et là, on se balade dans le monde pour aller chercher. Ah, pourquoi c'est tout blanc? C'était blanc avant? C'était pas bleu? Bah c'est quoi dans mon jeu? Ah, je peux plus rien prendre! Attendez, 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 attendez. Je peux plus quitter! Peux pas cliquer! Comment? Ah, mais peut-être parce que je suis pas en. Ah, attendez. Est-ce que je suis C'est bête fait. au point de me dire c'est parce que je suis en plein milieu de la pampa que c'est pas bleu? Donc que je peux pas me déplacer, c'est possible. Baldur Boot, la quête interdite. Non mais. Mais regardez! Ah si! Tout était sélectionné, c'est juste ça, c'était très Oui, bizarre. bien sûr. Bon. Voilà. Donc oui, apparemment, fallait pas faire cette quête-là, d'aller chercher des chaussures. Fallait pas casser le quatrième mur, quoi. Il y a des gens qui font des speedruns et qui touchent pour Médecins du Monde 2 millions de balles, mais personne n'a fait un any% ou any boots L'obscurité tombe et la nature dans Baldur's s'endort. Gate. On vous a vu. Pourquoi nous agitons-nous encore? On vous a vu. Tout ça là, qui font des. Tous ces gens là qui font des. Qui break Baldur's Gate 3 à base de tuer Ombrekœur et de passer des portails pour les bloquer avec des personnes mortes enfermées dans des boîtes. On vous a vu. On vous a vu.
Alors, quel est... Alors, j'ai vu le 3, j'ai cru comprendre qu'il y avait Jaehaera dans le jeu. Je me suis dit, ah, peut-être que j'y jouerai jamais. Je me suis dit, est-ce qu'on est obligé de retrouver les mêmes personnages? Ça, c'est une grande question, ça, quoi. Il y aura pas Roland de la Tourbresson, mais par contre, il y a Jaehaera, quoi. Je suis choqué. Jaehaera qui est quand même pas sympa du tout avec les autres personnes. Même si, bon. Oui, bien sûr. Et ni avec les lieux d'ailleurs, elle dit oui à chaque fois. Bon, après, je la comprends. Hein. C'est vrai que. En urbanisme, c'est pas incroyable, hein, on va dire. Mais oui, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un super. Il y a eu. Alors. Il y a eu la bad ending, je spoil, hein, mais il y a eu la bad ending pour finir le jeu le plus vite possible de Baldur's Gate 3. Ça dure 7 minutes. Donc il suffit juste d'avoir un personnage nul. Et c'est parti. Abuser bien sûr de Miss Step, qui est en fait une caractéristique où tu peux sauter. Pour tous les runners, runneuses, c'est ça. Et Baldur's Gate 3 aussi, il y avait quoi d'autre aussi qui m'avait un peu... ouais, du coup, apparemment enfermé. Alors, comme dans Divinity, c'est pour ça que... Je trouve que en fait, l'Ariane a bien joué de... Ou Baldur's a bien joué de se mettre ensemble. Parce qu'en vrai, ça marche, la mécanique fonctionne ensemble. C'est-à-dire mettre des gens dans des boîtes, les foutre au feu, ça c'était du Divinity, ça. Pas comme ça, mais... Bravo, l'Ariane, du coup. Par contre, Baldur's Gate, on vous a vu avec vos personnages. Hein. On vous force les méchants pas beaux et... jamais joué au jeu, mais qu'est-ce qu'ils sont pas crédibles, quoi. C'est dramatique. Bref, voilà. Piouf, piouf, piouf. C'est fait. Donc là, bien sûr, je fais un speedrun. Speedrun d'aller chercher des... pas des chaussures, du coup. Speedrun, on monte des niveaux. Sans savoir où aller, et sans savoir quoi faire. Ce qui est magnifique. Ouais, du coup, Baldur's Gate, finalement... Bon, sans la mauvaise foi que j'y mets, parce qu'il y a ça aussi. Sans la mauvaise foi que j'y mets, ce qui est beaucoup. C'est en soi pas mal, ça prend du temps. Mais ouais, il y a un problème de chaussures, vraiment. Sans la mauvaise foi, il y a quand même un problème de chaussures. Mon poumon, il est tout sale et tout foutu. Nom d'un chien. Hein, qui? Hors de mon jardin, vandale. C'est dur d'être un ermite lorsqu'on n'arrête pas de vous harceler des questions sur la nature même de l'existence. Lisez des livres, c'est un ordre de Portal Bendarvrinden. Donc, c'est l'homme au portal. Votre jardin, non attendez, je voudrais discuter, bénéficier de vos lumières. Épargnez-moi vos âneries. Excusez-moi de venir ainsi troubler votre quiétude. Nous doute que vous ayez fait vœu de solitude. Ah oui, sans compter mes habitudes personnelles ennuyeuses. On ne refuse pas un conseil quand on en a besoin. Mais s'il faut écouter quelqu'un débiter des proverbes et des évidences sans arrêt, ça peut devenir lassant. C'est dire que des fourmis qui... C'est pire que des fourmis qui volent des fromages. Quoi? Si vous voyez ce que je veux dire, on a vraiment du mal à vous regarder en face. Je voulais des commentaires sur ma mise. Je vous aurais fait signe. Bah, je n'ai pas le temps de perdre avec vous. À perdre avec vous. Vos insultes sont très dépassées. Je voulais juste vous parler. Il suffisait de dire non, je vous laisse. Attendez, vous avez mal interprété mes propos. Je suis parfois un peu trop direct, mais je parlerai franchement. Je voulais dire qu'il est difficile de regarder votre aura. Elle est exceptionnellement fugace. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un comme vous, mais j'ai l'impression que votre espèce ne vit pas longtemps. Oh non, on va mourir à la fin du jeu? Tué par notre frère méchant, ça révoque. Je vous prédis une mort violente. Ah bah c'est sympa. Je ne vois pas votre avenir. Il semblerait que votre pièce soit sur la tranche. D'accord, donc je peux choisir. Assez blagué, j'ai perdu votre temps. Et le mien. Mais ouais, mais en même temps, c'est toi qui as voulu absolument parler. Nous, on allait partir en fait. Oui, c'est fait. Donc voilà, on se balade dans la pampa.
Pas vraiment de la pampa. Je vais chercher parce que à chaque fois j'utilise pampa comme terme, mais c'est pas vraiment de la pampa. Pagne. Alors. Pampa, je pense que c'est pampa, c'est plus désertique. Américain, genre. Ah! Pourquoi la pampa? Région en Amérique du Sud. Bah oui, bah logique. Voilà. Pas du tout la pampa. Hein. D'ailleurs, très européen en fait, au final comme, comme campagne. Pas grand chose de différent. Très européen, mais il n'y a pas assez d'écureuils. Marque en Europe, il n'y en a pas des masses non plus. Bon, il y a moins de forêts. Ah, j'ai appris là, je sais plus c'est qui que j'ai écouté, et qui parlait du nombre de pourcentage de forêts autorisées en France, enfin, allouées à l'espace forêt, entre guillemets, naturel, parce que vous savez très bien que les communes adorent raser des bouts de forêt pour pouvoir les déplacer, pour pouvoir ensuite faire des endroits agricoles. Kiffent ça, les gens. Et aussi enterrer et pourrir des cours d'eau. La joie de la campagne. Mais ouais, j'ai entendu qu'il y avait genre 15% qui était alloué, 15% du territoire, je trouve que c'est pas beaucoup. Et en plus, si c'est que un endroit spécifique où on se dit, bah en fait là on a rien à foutre là-bas, on a rien envie de faire, c'est pas incroyable, je trouve. Ouais, c'est si t'as 80% de pain. À côté de Bordeaux, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas incroyable, je trouve. Est-ce que c'est considéré comme une forêt, en plus, hein, une forêt de pin? Logiquement, oui. Mais vu que c'est super large et potentiellement inflammable toutes les 6 secondes. Taper? Vous voulez me taper? Ah, vous voulez me taper, ok. Bonjour les bandits. Oh non, on va encore récupérer des... Voilà. Les bandits, les gens, c'est bien pour les flèches, hein. C'est bien pour les cheveux, mais on n'a pas besoin de scalper tout le monde. Hein. Voilà, j'ai récupéré là-dessus. C'est fait. Donc ouais, petite nuit, Strega. Remets-toi bien. J'espère que tu auras un peu le temps de te reposer. Alors, où est-ce qu'on va? Parce que là, on est où? On est là. On voulait aller ici, je crois, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un truc vide. Et d'aller là. Non. Oui, bien sûr. Oui! J'étais sûr qu'il y avait un truc. Allez, voyage. Une tâche facile. Pourtour. Cui, 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 cui. Je vous mets le son. Non, t'as de la chance de pouvoir travailler. Je sais pas si c'est à distance ou... Mais ouais, sur l'ordi... Et heureux de te faire rire. Nous serions permis. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ils sont berserkers quand même. On est trop riche. On est vraiment trop riche. Regardez mes poches, mais on est blindé, hein. Ouah, charisme 10. J'avais oublié que j'avais gratté du charisme pour. Quel beau gosse quand même. Alors attends, mais. C'est où la thune? Where is the tunas? On n'est pas arrivé à la prochaine au prochain niveau. 150 000. On n'a pas mis à jour la biographie, mais un jour on va le faire.
Faudrait que je me rappelle de tous les épisodes que j'ai pas fait. C'est-à-dire les 5 derniers, je crois. Que j'ai fait, mais que je me rappelle plus. La thune, déjà. Normalement, c'est là. Dans la fiche de personnage, mais je trouve pas. Où est la tournance ? Information. Par exemple, on n'a jamais utilisé les trucs de stats genre avantage bonus de 20%. Peut réaliser des attaques sournoises quoique plus faibles que celles du voleur. Mais on fait les attaques sournoises. Comment? On n'a même pas le niveau 8. Je suis populaire. Ah, on pourrait mettre la musique. I'm a popula. Est-ce que ça va marcher? Parce que c'est ça la question. Est-ce que ça va se passer au même endroit? Je vais mettre la musique I'm a popula. Alors on va checker. YouTube. Populaire, hein, c'est ça la chanson, je me rappelle plus moi, c'est qui chantait ça. The Weeknd. Non mais le truc des années 90, nous. On veut ça. Le truc des années 90, là, 2000. Chantait ça. Nada Surf. Oh là 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 là. Chose que j'ai connue au lycée. On m'a fait écouter au lycée. Alors attendez, parce que... Ah non, mais c'est... Waouh, c'est sorti du tréfonds de mon cerveau. J'allais dire mon cul, mais c'est pas loin. Hein. attendez, parce qu'il faut que je vérifie en plus si ça passe bien au bon endroit. Je vais checker comme ça. Je vais baisser le son, 2 minutes. Ouais, c'est bon. Oh là là là, la vieillesse. Eh oui, parce que I'm a popula. Du coup, on cherchait la thune, mais on n'a pas trouvé. Hein. La vieillesse. Oh. Le clip vaguement ralenti, alors attends. Oui, c'est vrai que c'est vaguement ralenti. Je sais pas si j'assume de mettre du Nada Surf sur ce stream. Hein. Na 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 na, un papillon. Ah, j'y crois pas. J'ai monté le son de mon côté parce que je me suis dit je peux pas vous mettre dans la sauce sans que je m'y mette aussi. Un peu pune. Qu'est-ce que c'est que ça? Un popule. Un popule.
Dire que sur la VOD il y aura que moi qui chante, lol. Alors que je fais du yaourt depuis le début. Ah là 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 là. Mais je suis populaire. T'as une gagne, je suis populaire, tu peux pas faire ça. Ah oui, c'est vrai que ça s'embrasse à la fin. Ouh là là. Et du coup, j'ai envie de mettre Beck Loser, du coup, maintenant. Oh là 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 là, c'est dur, les années 90. Oh bah voilà, on va mettre ça. Voilà, on va mettre ce que j'aime vraiment de cette époque. Voilà. Là, on est motivé. Donc là, petite info. Nous écoutons actuellement Sabotage de Beastie Boys. Ne bougez plus, si vous jetez vos armes et coopérez, personne n'en souffrira. Sinon, c'est la mort assurée pour tout le monde. Une décision vraiment très simple de votre part. Mais on sait même pas combien d'argent on a, Tengen. Je baisse un peu le son parce que je vois que c'est... Sabotage, je sais que ça prend beaucoup de place quand même comme son. Je vais pas lui donner mon argent, je crois. Je sais même pas combien j'ai d'argent, mais je sais que je vais pas lui donner mon argent. On attaque le mage, hein, bien sûr. Ensuite, la personne à distance. Et ensuite, le dernier bandit, bien sûr. Oh là là, sabotage, c'est court, mais c'est bien, hein. Pas fini, hein. C'est vrai que j'avais oublié que c'était fait. Pas fini, c'est la pause. Ah mais voilà! Faut que je sauve cette personne. Attendez, attendez. J'ai pas sauvegardé en plus, c'est dramatique là. Faut qu'on puisse faire quelque chose. Je sais pas comment les appeler, donc on va faire ça. Normalement les gnolls ça va, c'est assez rapide. Je viens de faire un petit une petite horreur pour leur peur. Pris un chemin. Nous ne resterons pas inactifs. Ah bah voilà, fight for your right, ça enchaîne, allez. Do you like parties? Yeah, you've got to fight for your right to party. Exact. Ça va être journée musicale aujourd'hui, hein, je crois. Hein. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Elle a arrêté son attaque. Comment on va faire? Faut lui donner de la vie à lui. Hein. C'est Drixt. Ah, ça y est. Confusion. Du-du-du-du-du-du.
Le serviteur de Dame Nature attend. Ah, c'est fini. You've got a fight. Are you right? Et il se barre? Oui, bien sûr. Tout ce discours est bien joli, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Enchanté, je suis Drist d'Orden et j'apprécie votre aide. C'est un sacré voyage jusqu'à Valdebise. Même sans ces arrêts répétés, je ne me rappellerai pas qu'il y avait autant de bandits dans cette région. Ça fait longtemps que c'est ainsi. Party. Alors, fight for your right to party, moi, j'ai quand même une question de slogan politique réutilisé, hein, quand même. Mais bon. Noble attention, que voilà, je les approuve entièrement. Votre lutte sera difficile. Les bandits que j'ai rencontrés et qui m'ont assailli à tout bout de champ ne sont pas de simples vagabonds avec des lames. Les humains ressemblent aux griffes noires et les hobgoblins aux frissons. Ce sont des groupes de mercenaires et il est, peu probable qu'ils soient responsables de ces manœuvres. Vous ferez bien de vous infiltrer dans leur rang afin d'essayer de découvrir qui sont leurs véritables maîtres. Difficile mais pas impossible. Comment je fais? Je viens de découvrir le truc alors qu'on est à la fin du jeu. Appeler camarade, je sais pas si on est vraiment camarade, gars. Une tâche facile. Je me méfie des gens qui m'appellent camarade, hein. Oui. Depuis le PCF, depuis avant le PCF, toujours se poser la question de qui vous appelle camarade, hein. Pom, pom, pom. Après, je vous ferai écouter vraiment. J'ai vu un truc, j'ai une information, attendez. J'ai une information, sachez-le. Que. Parce qu'en fait, j'ai partagé un truc avec Strega, et, enfin sur le Discord, quoi. J'ai partagé un truc sur le fait que j'essayais de troll ou que j'essayais de savoir comment fonctionne l'algorithme de Spotify. Et que du coup, j'ai mis un DJ qui a fait un son très connu. De cette époque-là, mais que j'écoutais aussi. Et j'ai appris qu'il allait y avoir une ressortie du vinyle, sachant que les vinyles rap, c'est une galère à trouver. Donc du coup, c'est du rap, mais c'est du bon rap aussi. Et très, 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 très musical. Vous allez reconnaître, je pense. Donc, ah oui, voilà. Écoutez bien. Cette petite boucle-là. Merci DJ Mehdi. Donc les princes de la ville, bien sûr, 213. Un peu plus politique, hein, quand même. Donc ils vont ressortir le vinyle. Je pense que, enfin, je vais pouvoir avoir ce vinyle. Parce que j'ai pas beaucoup de vinyle, j'avoue. J'en ai récupéré... Beaucoup, on m'en a offert surtout parce que j'ai trouvé la technique. Je me l'ai fait offrir. C'est tout simplement ça. C'est trop cher sinon. J'avais aucune idée de cadeau pendant très longtemps. Et après, je me suis dit, mais en fait, offrez-moi un vinyle. À chaque année, c'est bien. Et voilà, depuis, j'ai des vinyles. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est la bonne strat. Ah, bah alors moi j'ai récupéré une platine. C'était aussi un cadeau. Ouais, et du coup le truc c'est que... c'est pareil, je cherche le vinyle de Ideal J, mais pareil. Une grosse galère.
L'idéal J qui a été fait avec DJ Medi aussi. J'ai besoin d'argent et de quelques remèdes. Mais c'est pareil, une galère. C'est les albums de cette époque-là, c'est... Alors, il n'y avait tellement pas d'envie de sortir des vinyles de rap. Ça se sent quand tu cherches. Ça se sent, t'es ouf. Alors, vous là-bas, j'ai besoin de quelques... Alors, si vous savez où... Prenez ces 25 pièces. On a perdu 25 pièces. J'espère que ça va, monsieur. On a demandé de la médecine, on a donné de la médecine, hein. Quand tu veux. Bon, après, c'est un peu libéral comme chanson, ouais, quand on réfléchit. Mais c'était bien. Après, ça critique pas mal, hein. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de trucs dans le phrasé de 113, hein, qui sont quand même... rappellent que, y a des textes tièdes encore actuellement par les politiques de gauche. Alors que même les rappeurs des années 90 disaient déjà des trucs plus énervés, au point d'être condamnés, je rappelle, hein, je rappelle, beaucoup de gens ont été condamnés. C'est toujours le cas d'ailleurs. Pour rien. Juste pour pas grand-chose, en tout cas, de mémoire. Je pense que la plus grande honte, c'était... En plus, ils ont été relaxés, c'était qui? En tout cas, la plupart des condamnations contre les rappeurs, c'était en général relaxé. C'est ça qui était grave. C'est qu'en fait, c'était vraiment pour un coup de pression de liberté d'opinion, liberté d'expression, etc. C'était vraiment des coups de pression de l'État pour pouvoir éviter que... entre guillemets des appels à la révolte comme ils aiment bien utiliser. Allez, on remet le son du jeu. Considérer que c'était des appels à la révolte par ou de la, ou comment s'appelle Vous avez les besoin rapports à de la quelque haine. chose? Il y avait des trucs genre haine de l'État, je sais pas comment on disait. N'élevez pas la voix s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile comme ça de prendre le coup de main, pas la peine de les effrayer en plus. Que vous êtes novice en la matière. Bah non, c'est s'il pêche, il pêche. Hein. Comme si vos infortunes me concernaient. Je vais faire autant de bruit qu'il me plaira. Je vous laisse. Merci, mais ce n'est pas mon métier. Je préfère les mines, mais plus que tout, je préfère rester en vie. Les temps ne sont pas sûrs pour les hommes des profondeurs, mais il faut bien que je nourrisse ma famille. C'était la caution. Je crois que c'était un des plus gros. Ça a duré très longtemps. Je crois que ça a duré 10-15 ans leur Salut, procès. cop. Et il y a eu et en plus le pire c'est que quand ils ont été relaxés, il y a eu que les presses rap qui ont parlé du fait que c'était relaxé. Mais comme d'habitude, vous êtes les bienvenus, venez éprouver votre courage contre les habitants des eaux. C'est un beau métier. Je me suis jamais autant amusé depuis des années. Oui, des années. Et de mémoire, je vais être méchant, mais j'ai fait un parallèle qu'il faut pas. Hein, mais de mémoire, la fin du procès de la caution. C'était au moment de la percée de Booba, et je trouve que ça dit beaucoup du rap. Je trouve que ça dit énormément du rap. Surtout bref. Surtout la position du rap, ou la volonté que les majors voulaient avoir sur le rap, en tout cas. Vous restez près de l'eau, au cas où les villageois vous attaqueraient avec des torches? Non. Je sais pas, c'est une bonne question ça. Venez prouver contre les habitants de ces eaux. Ah, pardonnez-moi, mais je dois vous dire que vous me paraissez un brin, disons, loufoque. Cessez de m'appeler. Seule attitude me donne la nausée. La première est une bonne blague, mais c'est pas marrant en fait. Vous pouvez penser ce que vous voudrez, mais je me vois comme plutôt optimiste. J'ai perdu mon travail à cause de la pénurie du fer. Mais j'ai choisi de ne pas me laisser couler. Je ne travaille plus à la mine, et alors je pêche pour manger et j'ai meilleure mine. C'est nul! Je pêche pour manger, j'ai une meilleure mine, ouais. Parce que j'ai pris le soleil. Maintenant, si vous voulez bien, mais que je dois chanter. Chanter! Bah, chanter, mon cher. Bon. Mais je sais pas si en fait, c'est peut-être on a peut-être fini la quête des bandits, là, la première quête. Maison paraît abandonnée. Est-ce qu'on peut pas squatter dans cette maison abandonnée? On va faire dodo à côté.
Bon, c'était bien hein, quand même ce petit passage musique. Je crois qu'il faut toujours un peu écouter. Hop. On découvre des lieux, hein. C'est beau, hein. Parce qu'on était ici, on a essayé de monter, mais apparemment c'était interdit. Donc là, par exemple, ça pourrait être pas mal. Ça veut dire qu'il manque quelque chose là. Hein. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Ça, c'est les Exvart. On est vraiment trop riche. Par contre, il faudrait bien que je sache à quel moment on trouve la thune. Et où la thune. Ça serait intéressant. Ah, je peux cacher ça. Mais depuis le début, on joue avec. Mon dieu. Ça veut dire qu'on peut cacher ça aussi. Attendez. Découverte du jeu. Découverte du jeu. Incroyable. Bah, du coup, on va essayer de jouer comme ça. Hein. Ça me perturbe. Genre, le format est carré. C'est fait. Le format est carré, ça me stresse. Comment on sauvegarde, maintenant? Voilà. Hop. Et ça, c'est quoi? Non. Q. Voilà. On perd un peu ses bises. Ah oui, parce qu'on est en mode embuscade. C'est fait. Bien réussi. Oh, incroyable, le jeu s'est découvert. Mais après, bon, on est en 16/9, en vrai, faut remplir les côtés. Hein. Découvre le jeu, je suis choqué. Après 100 heures de jeu. Je dirais qu'on joue à Baldur's Gate 3. Eh, mais elle est petite cette map. Attendez. Ah non, c'est parce qu'on est arrivé plus bas. Maintenant, c'est ça qui me stresse. Ça me perturbe. Tout est vide. Ah ouais, c'est I-Y. Oh non, c'est I-Y et U. Oh là là, les raccourcis, j'aurais pu le savoir. Hein. En lisant. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Je sais pas. Ben, on est plus dans le. Passons aux choses sérieuses dans maintenant. Le jeu, je sais pas. Moi, je me sens perdu. Déjà que j'ai plus de chaussures. Passons aux choses sérieuses maintenant. Il nous reste que des chaussures pour dormir, quand même, c'est pour ça. Peut-être qu'on finira le jeu avec les chaussures de dormir. Il n'y a rien ici. C'est bon. Voilà. Après, c'est vrai que moi, pour moi, je regarde ce côté-là pour pouvoir savoir la vie, quoi. J'imagine qu'on peut avoir des affichages avec des modes qui sont sur les personnages. Ouah, j'utilise les raccourcis. Est-ce que ce serait pas beau, ça? Facile. Je crois que c'est ici qu'on doit arriver en discrétion. Pour infiltrer, non?
Non mais là on a l'impression d'être vraiment dans un jeu. Qui n'a pas été fait en 4 tiers. Ah mais oui, mais ça c'est la patrie des X-Vart. Mais pourquoi ils sont tous hostiles? Razad, il a décidé aucune pitié. Aucune pitié, Razad. PRA aussi, apparemment. C'est fait. On va se mettre autour du feu, hein. La tunas. Tunas. Voilà, je vais prendre toi, tu vas prendre tout. On va devoir aller vendre des trucs. Oh ! Un parchemin d'identification ! Incroyable, c'est le premier qu'on découvre, je crois. Mais qui peut utiliser ça ? Ça, c'est la grande question. Une tâche facile. Regardons. Vous nous tuez alors que nous n'avons rien fait. Cursa vous tue, Cursa vous nous protège car Ursa est la bonté. Mais c'est pas faux, hein, Nexlit l'Oxvart. Mais on est arrivé, on s'est fait attaquer. C'est ça là, l'animal là ? Ursa, l'ours des cavernes. Oh non ! Mais non ! Pacifiez cet enfant. Pacifiez-le ! Oh non ! S'il vous plaît ! Ne tuez pas cet animal ! Vous avez quelque chose à accomplir ? Non ! Ursa n'a rien fait ! Oh. Vais-je pouvoir lui parler ? C'est ça la question. Oui. Vais-je pouvoir parler ? C'est compliqué. Voilà, c'est bon ? C'est bon ! Il m'attaque encore ! Bon, je suis désolé, Ursa l'ours, mais... Tu as décidé de... Ah, mais je peux pas t'attaquer. Je ne peux pas t'attaquer parce que tu... Tu es ami maintenant ? Je vais mourir là. Parce que j'ai essayé de donner... Ça faisait longtemps. Franchement, on n'a pas beaucoup augmenté. Hein. Oh non, mon dieu. C'est où qu'on était ? C'est au moment où Ursa arrive. J'sais pas quoi dire. Hein. C'est fait. En vrai, je sais pas quoi dire. Il a pas tort, Nexlit, le... Déjà, on va faire en sorte que tout le monde attaque l'Exvart, déjà, ça serait pas... Your wish. Vous êtes une bien étrange personne. On va essayer de discuter directement avec Ursa. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ça n'a pas marché. On réessaye. On réessaye. Toujours pas ? Ok, c'est bon. Une tâche facile. Par contre, je ne sais pas si Ursa va être méchante avec... avec l'Exart. Ah si, apparemment. Mais on a vraiment débarqué dans leur baraque pour faire ça. On n'a aucune raison d'être là, mais par contre on les a tous tués. Je me pose la question. Les Exvart, ils ont fait quoi déjà la dernière fois? Je me rappelle plus.
Il y avait un truc où les Xvart ils étaient dans, dans un bail, mais je sais plus c'était quoi. C'est grave hein, ce qui se passe. Je pense qu'on va... Il y aura une raison, j'espère. On parlait parce que... En fait c'est ça qui me paraît étrange, c'est que beaucoup de... dans Baldur's Gate, beaucoup de choses sont... beaucoup de personnes sont considérées bandits. Au final. Mais les Xvart, par exemple, je ne me rappelle plus exactement, mais ils ont fait partie d'un truc. Je sais plus, c'était... Bah tiens, il y a une grotte. Où on les avait vus. Bah Ursa, tu peux partir si tu veux. Hein. Salut Ursa. T'as pas tué l'ours, c'est déjà bien. Et l'ours n'avait rien à voir avec cette histoire. C'est fait. On peut éviter de tuer les animaux. Il y a des animaux. Non mais... Je crois qu'il va mourir. C'est fait. Position de résistance au feu, on n'a jamais eu ça, nous. Donne quelqu'un qui peut porter. It shall be even bloodier than you hoped. On a potion de résistance au feu aussi. Ok. Ça, c'est bon. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est la nuit déjà. Bon, on va faire dodo dans la caverne. Hein. Ok. Oui, bien sûr. C'est fait. C'est juste un endroit. En fait, j'ai pas situé, mais il y a un truc à faire ici. Hein. Il n'y a pas de porte. Pas que je vois, en tout cas. Il y a un point d'intérêt. Il y avait une grotte, de la grotte d'Ursa, elle doit être quelque part par contre. Que désirez-vous ? Je sais pas, c'est toi qui viens me parler. Eh, viens un peu ça, je crois que j'ai jamais vu un joli groupe, un plus joli groupe d'aventuriers. Vous n'avez pas l'air bien équipé. Eh bien, vous avez de la chance, je peux résoudre tous vos problèmes. J'ai une grande collection de potions de parchemin, tout ça pour pas cher. Je peux vous donner tout de suite une potion de soins supérieure pour 25 euros, pièces d'or. Ou un parchemin de protection contre la prétrification pour 25 pièces d'or. Ou encore un parchemin de protection contre la magie pour 100 pièces d'or. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est un parchemin, mais je m'en fous. Le bout de dragon d'Arla, pourquoi il y a ça? Ça, c'est à nous, ça. Il a pris le parchemin pour pouvoir poser le... Le bout de dragon, c'est à nous. Moi, je me suis fait voler là. C'est fait. En bas.
Pourquoi c'était par terre? Il est où mon parchemin? Qui peut porter ça? Personne. Ça sert à quoi d'avoir un parchemin qui ne sert à rien? Le bout de dragon, ça devait être forcément soi. Protection contre la magie, c'est ça? Ouais, donc du coup, il a jeté en l'air mon parchemin parce que Imoen peut l'utiliser. I am prepared. Une tâche facile. Très bizarre ce qui s'est passé. Bon, bref, c'est pas grave. Bon. Que Dieu vous garde si vous réussissez. La Schkel à l'est. Oui, mais ça c'est logique. Bon, en fait, moi, ce que je cherche à savoir, c'est où on va maintenant. Ça, maintenant, il faut qu'on aille ici. C'est bien beau, mais il y a du vide hein, dans votre espace. Là aussi, il y a du vide, là. La tour de Diolag. Mais je crois qu'on s'est enfui de cet endroit-là. Alors, faut qu'on aille ici. On va aller tenter d'aller là. Oui, bien sûr. Normalement, il n'y a plus grand monde sur le chemin, de toute façon. Je pense qu'on peut avoir accès à ici, mais pas en dessous. Ah, parce qu'on est arrivé par là. Hein. Peut-être pas en haut. Ah oui, ça, c'est les cadavres qu'on a du début. On avait fait tout le chemin. Oui, on était arrivé pas en haut. Mais du coup, on n'a pas essayé d'aller à droite. Bon, vu que ça a duré un jour, on va faire comme si on faisait dodo. Allez, on fait dodo. Cobalt, ils ont un problème avec moi, je crois. Qu'est-ce qui sortent de la thune, les kobolds, c'est une histoire. Hein. Bon, on remet les trucs. Hein. Moi, je... Qu'on vende tout ça. On peut pas y aller. On peut essayer par en haut. Une tâche facile. 4, Je pense qu'on a fini de se balader, hein, mais c'est, là c'est vraiment... Y a des quêtes qu'on n'a pas fait finies, y a des endroits qu'on n'a pas vus... Je vais bientôt avoir besoin de repos. Ouais, mais tu voulais pas dormir, il y avait des kobolds tout à l'heure. Les ruines de l'école d'Ulcaster, mais on n'y est jamais allé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, bien sûr. La satisfaction de finir toutes les sous-quêtes dans un jeu. Bah oui et non, hein, là, moi, j'aimerais bien finir le jeu, tout simplement. Parce que 46... Tout ça pour enchaîner avec le 2, ça se trouve, en plus. Vraiment la flemme. Hein. C'est des ruines, donc on va dire qu'il y a des mages. En tout cas, le nom, il tape l'école du castor. Ouais, c'est ça. Ah, des lanceurs de feu, en plus. Oh là là. Allez, tapez-les, en fait. Les commandos kobolds, qu'est-ce qu'ils font, là? Donnez-nous des flèches de feu. Oui, exactement, merci. Voilà, hop, vous êtes... hop, confus, bam. La terrorisation de... Des flèches de feu.
C'est fait. On va peut-être faire le stock au cas où on se retrouve face à Cerevoque très rapidement, ouais. Pourquoi au S-Bot il me rajoute 1h30 de... Il me rajoute 30 minutes de stream. C'est fait. C'est bizarre, lui. Bon, de toute façon, Icebot, tu vas partir. Hein. Je suis désolé, mais on va te quitter. C'était sympa de t'avoir depuis le début. Ouais, ça peut peut-être... exporte les stats pour... Topo de à quel point ça ne sert à rien d'être affilié. Dans mon cas. En fait, le seul truc qui est intéressant, c'est, je pense, c'est l'étiquette que t'as. C'est-à-dire, t'as une étiquette, et du coup, les streamers, je pense, le voient. Parce que, par exemple, dans les partagés, les spectateurs partagés, à mon avis, c'est là où tu arrives. Parce que c'est pas forcément dans les petits streams. Il doit y avoir un truc comme ça, parce que t'es plus visible, en fait. T'es plus visible parce que t'as donné tes données, bien sûr. Mon bancaire. Y'a pas de mage dans l'école du Calster, bon. C'est nous. Point de mage ici. Qu'est-ce que c'est que c'est que cette... C'est vraiment des ruines, hein. On se galère à faire des chemins. Ah, excuse-moi, là on est totalement dans les versions... L'école. Ok. Je vois. Je vois. C'est bien d'avoir des ruines, mais en vrai, est-ce que ça sert de monter là, par exemple? Non. Ça sert d'aller là, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas grand chose ici en plus, c'est vraiment, vraiment... Rien en fait hein, qu'on fait ça. Hein. Peut-être qu'on va se retrouver face à un basilic pour la blague. Ah, un cadavre. Oh, je connais ça. Ça c'est l'embuscade ça, je connais. Pas vraiment. On peut pas aller plus loin. Intéressant. Pas grave, c'est pas grave. Moi j'ai tendance. Mon cerveau il a tendance à pas se rappeler des. Facilement en fait, donc ça va. Dans le sens où. Les musiques entêtantes, les earworms et autres comme ça, en fait je les ai en tête. À un moment, et après, deux minutes après, c'est fini. Très peu de musique qui me reste en tête, et en général, c'est de la bonne musique. Oh ! Tiens, ça me fait penser à un truc. Ça par contre, tu vois, genre, ça, j'étais en train de me dire, ouais, les trucs qui restent en tête, et j'ai pensé à IAM, du coup. Et je viens de me rappeler de la vidéo que j'étais tombé, mais faut arrêter Twitter pour certaines personnes. Je viens de me rappeler de la vidéo des keufs qui avaient fait, je crois que c'est les keufs de Marseille, qui avaient fait genre, pas un clip de promotion, mais limite, tu vois, c'est genre, ouais, on est cool, mais il y a tout le monde ici. Et avec le son, c'était « Laisse pas traîner ton fils ». Et je crois qu'il y avait les gens de... Et je crois qu'il y avait aussi... il y avait eu le même truc, mais avec... avec NTM. Pour vous dire à quel point on est dans le caca. C'est vraiment... En fait, c'est... En fait, le commentaire, c'est pas faux. Le commentaire, c'est... voilà ce que ça donne aussi de dépolitiser certains trucs. Et par exemple, pour Supreme NTM, je me rappelle plus c'était quoi comme chanson.
C'est pas Sunset Five, hein. Ni Paris sous les bombes, hein, bien sûr. Mais bon. J'essaie de me rappeler, je me rappelle plus c'était laquelle. C'était Supreme NTM, c'était pas NTM. Oui, bien ouais, sûr. Les keufs qui. Mais par exemple, sur le Laisse pas traîner ton fils, c'est clair que la chanson est déjà dépolitisante aussi. Hein, beaucoup, enfin, de mémoire, en tout cas. Pas très étonnant. Par contre, Supreme NTM, c'est vrai que ça paraît très, très, très étrange. Je me rappelle plus, mais exactement. Ouais, sur Assassin. Non, mais pareil. Assassin, ça pourrait, hein, en vrai. Il y aurait moyen. Tu vois, que Rocking Squat, vu le passage de Rocking Squat. Sur plein de trucs, il y a moyen de dépolitiser, sachant que c'est le frère de Cassel en plus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dépolitiser dans Assassin. Par contre, au niveau du DJ, que se passe-t-il ? Une tâche facile. Je me rappelle plus de son, je me rappelle plus. J'ai pas en tête, là. Voilà, donc du coup, il y a moyen. Mais ouais. C'est... Attends. Je l'ai en tête, c'est... Je vais devoir chercher DJ d'Assassin. DJ Assassin. Solo, voilà. Très bon, très bonne personne en plus. Ouais, du coup, enfin de ce que je connais en tout cas de Solo, très sympa comme gars. Et ouais, du coup. Je pense que Rocking Squat, il y a moyen. Mais oui, c'est clairement que. Enfin voilà. clairement, le rap. Il y avait eu tout le sujet. De toute façon, on en avait déjà parlé un peu, mais il y avait eu tout le sujet sur. Le fait que Rachida Dati a été invité par un média de rap, depuis, et du coup il y a eu toute la discussion de faire ici pour me reconstituer. Icaride, le plus grand des guerriers, je souhaite vivre et goûter du sang encore une fois, le vôtre sera le premier en un siècle. Non mais attendez. Moi les vampires, tout ça là, pas mon histoire. Restez loin. Te tuer de loin, hein. Y a pas de problème. Hein. Je vais te faire des kamehameha et après je vais aller au corps à corps. Non mais deux kamehameha c'est bon. J'ai rien dit. En fait, je veux pas être maudit. C'est surtout ça l'histoire. Bon. Personne est maudit. C'est ça, c'est le feu, ouais. Et maintenant où? T'as plus de place, hein, je crois, dans les poches. Ouais, pour avoir un casque nul. Ah! Bonjour Constantinos Twitch a lancé un raid sur votre chaîne. Roaring in the wild, leveling up and looking for quest. Hello guys. I don't know if you speak French, but I can speak English if you want. En tout cas, on joue à Baldur's Gate 1. We play Baldur's Gate 1 and we leveling up 2. Hi. Je ne sais pas si vous parlez English. I have a great stream, I don't speak any French, sorry. Oh, thanks for the raid. Thanks for the raid. We play the same game. thanks.
All the game is in French, so if you don't speak, I can translate. But you know this game, I'm sure. Thanks. So, on était sur un truc. Une tâche facile. We just wandering around. We are at the end. we know Sarevok, and we know where he is, and I can't fight him because I don't have a sorcerer in my deck. Thanks for the follow. So we just play Dumb Barbar, Dumb Warrior, and Dumb Rogue. It's a little indie game. Exactement, Striga. Passons aux choses sérieuses maintenant. We are just at the level 7, I think, and we are just immensely, comment on dit, immensely rich, but I don't know where to watch the On est riche. We are rich. So we just comment on dit? Wandering. On se balade. Tremendously, exactement. Avec l'accent, bien sûr. If you want to know, we just play with Roland de la Tour Bresson. Roland of the Dark Tower, if you know the reference, and Imoen, Jaira, Khalid, Razad, and Dorm. Je ferai de mon mieux. Oh! Une entrée. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette entrée? Entrée du donjon. Il y a un donjon! Bon, j'espère que t'apprécies cet anglais incroyable, bien sûr. Je rappelle que Striga, je crois que je l'ai déjà dit ici, mais j'ai un mage, on va le tuer, ça. Hein. It's a sorcerer. We need to kill it. La meilleure des écoles. Ok, super. Ah, c'est Hulkaster lui-même, super. Ah, bonjour. Genre, elle switch pas avec les autres flèches, elle. Ah Constantino tweet. Est-ce que... If you know where to find shoes for Dorn, I want to know. I've just some shoes for all the players, but because we are at the end. But for Dorn, we have no shoes. Oh non! Par ici! Mais French flair, n'importe quoi! oui, baguette, n'importe quoi! Alors moi j'ai un accent de Bolosa, hein, donc c'est grave. C'est très très grave. I just said that I have a French suburban accent. In English. So if you don't know the French suburban accent, suburban of Paris, if you know. C'est fait. Because we have a lot of suburbs. Bonjour. Bon, ça c'est encore un donjon nul là. On va encore se balader en prenant tous les pièges. We don't see trap. We have some of a check trap like a thief like Imoen, but
The dice are not with Passons us. Aux choses sérieuses pas vraiment. So we just function. Fast and Furious, the donjon. J'ai plus aucun respect pour la langue. C'est fini. J'ai plus aucun. I don't have some respect in English. Like you watch, like you see, like you see. Je vais arrêter un peu de parler anglais parce que c'est grave. Oh, un cadavre. Il y a vraiment les poches pleines. Mais. Je peux toujours essayer. C'est fait. Pourquoi il y a des loups ici? Ah! Non, mais c'est notre pote! Facile. Ah, je l'ai entendu, c'était notre pote! Pourquoi Passons vous l'avez tapé encore? Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être! Une tâche facile. Oh là là, mais il y a vraiment toutes les bestioles du monde! J'espère qu'il n'y aura pas les dons. Passons aux choses sérieuses maintenant! Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est fait. On est d'accord qu'il n'y avait pas de passage par ici, là. Passons aux choses sérieuses maintenant. Stratégiquement, on est toujours bon, hein, je trouve quand même. C'est beau. This will not be a quick death. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. The translation of Baldur's Gate 1, Enhanced Edition. This is not a game, a finished game. Je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit. Faut que je réapprenne à parler anglais. The game is not finished. Because we have some difficulty with the translation in French. We have some English too. So if you don't speak English, say hello, because voilà, that's the problem. On fait des blagues en anglais. Hein, attention, ça rigole plus. On est là. Ouais. On a vraiment toutes les cloches pleines. Qu'est-ce qu'on fout avec tout ça? Attendez, parce que je crois que j'ai un truc à potion quelque part. Hop. Donnez tout. The French translation is not trop. Merci pour les sous-titres. Tu te doutes que là, j'invente à moitié. J'étais bon en anglais quand même. Hein. Il y a des trucs que j'arrive à faire. Je fais plus aucun effort depuis qu'on m'a dit que j'avais un accent dans le ZA, c'est tout. Et d'être le cliché du français qui fait l'accent, qui foire son accent. Je peux pas te donner. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas te donner. Ah, il est trop éloigné, d'accord. Attends pour moi. Pourquoi tu es trop loin? Ah oui, d'accord. Moi, je m'en vais.
Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, on invente un peu. Va ranger toutes les potions. We don't need a potion in this game. So we just make Jaira hold all the potion in this bag. And we don't know if you know some potion. I don't know if we have to just use them. Just comment on dit gênant. Cumbersome? Non, je sais plus. To just empty our inventory, we need to stash the potion here because we don't use. We just sleep, tactical sleep to heal, and it's just. Je n'aurais pas pensé à ça. Dane. It's a fred thing to think we need to have a perfect pronunciation. Ouais, mais c'est un truc d'apprentissage. Hein. Je crois qu'il doit y avoir un piège ici. Ah, mais on n'est pas du tout au bon côté, du coup. Oh. C'est pas fait. Attendez, il y avait un cadavre ici facile. Que j'ai pas pris. Et oui. Puis-je vous aider? Je ferai de mon mieux. Oui. Une tâche facile. On va devoir refaire l'histoire des potions, ça me fatigue. Ça, pourquoi c'est elle? Pourquoi elle a ça, elle? Comme ça. Hop. Dorn, il avait rien. C'est une blague quand même. C'est quand même une blague. C'est fait. Vous pouvez l'attaquer si vous voulez. Hein. C'est, y a pas de problème. Soyez actifs, hein, proactifs les gens. Hein. À vos ordres. Plus on est là à trouver nos accents anglais dégueulasses et souvent face en face c'est en mode ah, sexy allez auto mode voilà sexy sexy t'as auto modé c'est pas grave oui non mais oui bon tu sais en fait il y a un truc moi que moi je me suis aussi désenclenché aussi par rapport
la manière dont, au final, moi je connais beaucoup d'anglais caraïbéen, en vrai. Dans le sens où il y a un accent caraïbe que les États-Unis n'aiment pas déjà. Donc imaginez du côté de l'anglais, Angleterre. Donc bon, hein, voilà, on s'en fout un peu. Hein. Ouais, j'en avais parlé ici déjà. Il y a un truc aussi avec l'anglais caribéen. Il y a beaucoup, pendant énormément de temps, l'anglais caribéen était utilisé par les méchants, les personnages noirs dans les séries, films et compagnie avaient l'accent caribéen. Bien géré, je vais sauvegarder. Et maintenant, que se passe-t-il ? Oui, bien sûr. Donc en vrai, on peut s'en foutre. Hein. Salut Clem Lenu ! Alors c'est bientôt fini, hein, je suis désolé, il est 11h30. Mais on est mort bêtement, donc voilà. On se balade encore. Et nous avons à peu près 7 personnes dans le chat qui parlent anglais, si tu veux parler anglais. T'as la fibre ! Est-ce que tu peux voir que nous n'avons toujours pas de chaussures pour Dorn? Est-ce que tu vois en 720p, haute résolution, automatique du stream, que nous n'avons toujours pas de chaussures? Une tâche facile. T'as arrêté une session internationale et tout ça. Ouais, on a parlé beaucoup anglais. On risque de continuer à parler encore anglais. Et là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc... À part regarder, il n'y a que du combat depuis le début. Hein, ouais. Bah bravo. Super haute résolution. Ouais, 720p, c'est une grosse résolution. Hein. Attention. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Bon, on strate les. On strate les level up, hein, mais bon, c'est pas incroyable. C'est ici qu'on s'est fait bomboclat ou je sais plus c'est où, c'est là-haut. Where is the piège? Non, je crois que c'est là-haut, on est allé là-haut déjà. Et le piège, il est là. Ah oui, d'accord. Du coup, t'as réussi à te connecter et tout est bon? En up and down. Alors du coup, moi, je n'ai jamais vérifié ça. Faudrait que je vérifie. J'aurais dû vérifier. Envoyer Imoen. De toute façon, tu vas mourir, Imoen, donc on va se dire que c'est bon. Moi, je m'en vais. I shall commit to the task. Par ici. Une tâche facile. Vous êtes une... Par ici. Oui, bien sûr. Oh bah ouais, bien sûr, le piège était là. Elle était bien, celle-là. Elle était bien, celle-là. Elle était bien. Oui, bien sûr. La DSL qui est débranchée. Wow, qu'est-ce que vous voulez? J'en ai assez. Un piège quelque part. Ah! Ah! Je crois que j'ai trouvé le piège. Bon, c'est Imoen qui va désamorcer. Hein. Moi, je m'en vais. Mais bon. C'est fait. Ah là là là. Bien sûr, le piège était là, bien sûr. C'était logique. C'est fait. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire des strats de plusieurs niveaux. Oh, faut que j'aille aux toilettes. Je reviens. Je vous laisse avec le combat. De toute façon, je pense qu'ils vont être en automatique. Tout se passe bien, quoi. A tout de suite.
Sans les mains. Sans les mains. Vous êtes mon premier test. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bienvenue, Clem Lelu, bien sûr. On va s'arrêter dans pas longtemps. Hein. Je tiens à préciser quand même, parce qu'il est un peu l'heure, depuis très longtemps. hop. Les potions, on a dit qu'on stockait les potions. Et qu'on les utilisait pas. Ah, mais c'est vrai. Oh, mais attendez, ça je peux l'utiliser. Ah, mais faut que j'identifie. Attends, j'ai un truc d'identification, mais personne peut l'utiliser, ça sert strictement à rien. Une tâche facile. On continue dans le donjon. Ah! Ah, c'est sympa comme vision. Oh, un piège. Moi, je m'en vais. Waouh. J'ai lu. On a tout pris, sauf le truc qui est important. Oh, quand même. Hein. Trop loin, vous êtes trop loin. Gera. Pour le gros. Tu ranges. Tu me prennes des potions. On va aller vendre des trucs hein, après, hein, parce qu'il faut aller vendre des trucs. Hein. Peur du golem, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Non, c'est pas toi, Gera, qui dois prendre ça. C'est toi, tu prends ça. C'est fait. Voilà, on a le livre du cœur du truc de Hulkaster. C'est super. On a fait que ça pour ça. Bon, on sort. Et c'est fini. On a fait un donjon pour un livre. J'imagine que le livre était important. Je pense que c'est le piège qui est important. Le piège. On va s'arrêter. 1h40, en plus, je dois me barrer depuis 10 minutes. Je dois sortir les poubelles, c'est l'enfer. Ma vie est compliquée. Ma vie. Une tâche facile. Les poubelles, c'est pas si compliqué en vrai. C'était l'école du microcastor, exactement, voilà. Du coup, on avait dit, après ça, on fait quoi? Ah oui, il faut aller en haut, là. Mais là, on fait que remonter, en vrai. Là, là ici, il y a un truc, mais on n'a jamais trouvé. Là, il y a un truc, là, par contre. Il faudrait qu'on aille à Beregost, je pense, pour pouvoir aller vendre des trucs. Je pense qu'on va aller à Beregost, et on va vendre des trucs. Mais, ça sera pour plus tard. Ah, Constantino Switch, Twitch, il a un nom qui dépasse. Mince, faudrait que je corrige ça. Pour l'overlay. Trop de lettres. J'ai 5 streams, 360p en même temps, et rien RAM, dont toi qui es en 720p. C'est beau. Comment tu fais des multi, tu fais des onglets différents ouverts? Tu mutes les autres, bien sûr. Fais ce que tu veux, Clem Lelu. Tu donnes ton lurk à qui tu veux. Bien entendu. Regardez, on a même laissé des colliers par terre. Vous y croyez ça? On est tellement riche qu'on s'en fiche. Passons aux choses sérieuses maintenant. Avec Streamlink. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. J'étais ailleurs. Oui, moi je veux les pieds, je veux les flèches de feu. Je veux les flèches de feu, je sens qu'on en aura besoin pour ça révoque.
J'ai pas de place. Mais ça aussi, ça, en fait, il faudrait que je les aie. T'as pas besoin de les avoir, toi, Imoen. Hein. Notre fléché officiel est Roland de la Tour Brosson. Ah, c'est des flèches plus 1. Mais quelle carotte. Je me fais avoir. Qui veut ça? Je donne. Tiens, prends. Hop. Hop, hop. Pourquoi il n'y a que lui qui prend des... T'as pas de collier, c'est ça que t'es en train de me dire? Ah non, il a déjà un collier d'or. T'es pas obligé de le porter. T'es dans la parure. Mais si tu veux, vas-y, prends. Le collier d'or qu'on aurait pu, bien sûr, vendre depuis très longtemps. Quoi? Bon, je pense qu'on va encore gagner beaucoup d'argent pour ne jamais les utiliser, comme pour les potions. Oui, tu m'en avais parlé. J'ai oublié juste. Hop. On se pose à Berghost. Oui, bien sûr. On se met à un endroit sûr où on va pas se faire bomboclat. On va se mettre là. Parce que y a toujours la quête qu'on essaye de pas d'éviter. Et on va, je vous envoie en raid. Je vous envoie chez Ravenbell. Et envoyez des cœurs dans le chat à Ravenbell. Parce que j'étais en lurk depuis tout à l'heure. Et j'ai cru voir des messages comme quoi ça va pas super. Donc envoyez des cœurs à Ravenbell. Et on se capte, nous, jeudi. Bon, toujours au même... Alors, toujours à peu près à cette heure-là, en fait. Faut que 10h et quelques. Que je ne peux pas faire autrement. Merci pour le stream à vous. Merci d'avoir été là. Merci. Thanks to all the international viewers, you know. Thanks for the tag in English. Because it's for that that we have a red in English. ouais, love and je sais pas quoi. Love. Je vous envoie des cœurs. Hop, Clem Lelu, bravo encore une fois. MPV plutôt que VLC. Mais en gros, j'avais 5 fenêtres VLC avec un stream dedans. Bravo, bravo. C'est beau de faire tourner du VLC comme ça. Bon, on se capte. Faut que je me prépare à sortir la poubelle.